Haïtien tout partout dans quatre coins monde là. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Chanel Paula. Chanel qui pote pour bon gens nouvelles, bon gens informations sans fausse côté, sans vouer monter. Et bien gain pile dossier nous pote pour la journée jodi à là et bien information qui fait actualité dans la police ça dernier jour ça gain pile roulement qui fait en pile changement fait dans la police ça et bien un changement qui fait inspectrice Marie Michel Verrier lui-même il remplacer inspecteur Gary Deosé comme porte-parole police nationale d'Haïti et bien dans même sens Benson Soljou lui-même vin nouveau directeur administration pénitentiaire. L'autre information qui a rapport avec insécurité dans le pays, Zéphir Chenley, un petit garçon 13 années, disparaît depuis jeudi 22 avril 2021. Kidnapping, ancien commissaire police Manuel Orival lui-même, il kidnappé en dans la cour la Cali. Et bien c'est toute information ça avec un pilote qu'on a bien pour porter pour vous ou même qui pourquoi abonner à la chaîne là, n'a pas de faire ça kounya là. Comme ça, ou pas perdu, même yon yota nan série information n'a bien pour pote pour yo. Et bien, j'en nous t'ai annoncé ça, la police nationale d'Haïti a opéré gros changement en de boîte là. Bien, institution ça nous connaît gen pile crise dernier jour ça qui t'a traversé, gen moun ki fait connait gen clan dans la police ça, clan ki moun pas directeur a ensemble avec moun qui pas vraiment bonne collaboration avec elle, mais ça pas fait rien, institution lui-même li continue à fonctionner et job institution ça c'est protéger ensemble avec servir. Et bien, dans sens ça, gen changement qui fait dans la police ça, et bien ancien porte-parole adjoint qui c'est Marie-Michel Vernier, Livin porte-parole en chef police nationale d'Haïti, li remplacé nan poste ça et bien Gary Deosé lui-même qui nommé nan poste ça comme porte-parole depuis décembre 2020 et bien qu'on y a transféré Gary Deosé qu'on y a dans DCPJ et en pile parlant pile fait tout à fait quoi changement ça au fait son façon pour chercher stratégie et bien pour capable lutter contre phénomène kidnapping. Il y a essayé potentiel inspecteur Gary Deosé, il y a pas brassé toute PNH comme ça pour capable joindre résultat qui est escompté. Et bien dans même sens ça tout personne seul jour nous même nous connaît quitté directeur central police administrative, il était ancien DDO tout, et bien Kounia li vin nouveau directeur administration pénitentiaire. Bien tout ça yo c'est brassage cap fait en dans institution policière là. Bien li remplacer n'importe ça Ludwige Bertrand, les mêmes qui était ancien directeur. Et bien qu'on y a, c'est Benson Soljou qui nouveau directeur administration pénitentiaire. Est-ce que Benson Soljou lui-même, ensemble avec toute Marie-Michel Verrier ou même, il va bien faire travail, nous souhaiter ça parce que en pile l'opprobre a tombé sous dos la police à dernier jour ça et Marie-Michel Verrier lui-même, il gen gauche à sous dos parce que nous connaît choisi ou bien il choisi pour venir porte-parole PNH là. Eh bien, gen en pile question journaliste gen pour poser et faut capable préparer, faut capable en mesure pour capable répondre à question ça. Eh bien, nous connaissons l'administration pénitentiaire autour. C'est pas bagay qui facile pour gérer puisque nous connaissons gen en pile déclin, gen en pile irrégularité en dans pénitentiaire. Eh bien, nous souhaitons monsieur dame ça bonne chance eux-mêmes nan nouvelle fonction yo. Eh bien, ça qui a rapport avec insécurité dans la cour pays d'Haïti, Zéphir Chenley, un jeune petit garçon 13 années lui-même, disparaît depuis jeudi 22 avril 2021. Bien dernière fois parent était wel, il était mené à l'école ensemble avec équipement sport l'école li. Bien Zéphir Chenley disparaît même jour ensemble avec Marlene Flora Néristan, mais Marlene Flora Néristan famille lui-même li joine collé marié tout fait et bien torturé
nan yon raje ki situye la nan komine Taba deye l'opital la Petit Frères et Sœurs. Nou pa ta souwete menm bagay la pou Zéphir Tchenley. Se sa ki fè paran, zanmi paran, ebyen yo la ge koukou rouj pou yo chache kote yo jwenn Zéphir Tchenley. Piske depi apre jeudi 22 a, me pa ge aucun apel ki fèt pou ta di se kidnapé ou kidnapé, yo poko gen aucun nouvel sou Zéphir Tchenley. Nou menm nan sal de nouvel pa nou. Nou lanse avi de recherche la, nèpòt kote ou kwa zavèl, ou bien ta gen yon enfòmasyon sou ki kapab ede, ebyen prosesus recherche la li menm li avanse, pou kapab informe la polis ak, informe komisaryak pi pou la, pou kapab jwenn Zéphir Tchenley. Ebyen, kidnapping nan nou konen li pa jam suspann nan la kou peyi d'Ayiti, sou machin kap kouye a tout bouline, e pa gen kote ou ye, depi machin sa vle pase pran, pou li pa pase pran. Ebyen, se nan menm san sa, ansyen komisèr polis la Manuel Orival li menm, pou kidnapel nan la kou la Kaili. E kidnapping sa fèt, ebyen nan rue Nord Alexis, tèt ravine pentade sou la lu. Ebyen kidnapel jou madi 27 avril 2021. Ebyen pil moun nan pa ka kompran nan koman fè l'état li menm pa ka stopé kidnapping sa. Gen pil moun nan ki di se paske ebyen li nan avantaj yo ki fè ou pa jam stopil, si l pa jam nan avantaj yo, yo tab deja fè yon jan avèl. Gen pil moun ap di se strateji ebyen parti politik ou bien politik la arrive tro lwen nan peyi a, e petèt se ou menm ki responsab tout derive kap rive nan peyi a. Nou menm nou pa souwete sa, pou nou pa souwete se sal taye, men nou souwete pou ou mwen pou dirijan yo responsab yo menm pran responsabilite yo an men pou yo garanti sekurite populasyon, paske lò sorti kounya se lè ou rentre ou santi yo plus ou mwen, men malgré tout an dan la kòl la kayo, ebyen bandi kapab rentre pou ou al l'eglize, yo pa gen respè pou kote pou temple, ebyen yo kapab rentre pou la kayo pou ta santi yo pi an sekurite, ebyen pa gen sa piès. An Haiti, sekurite pa gen aucun kote ou kapab jwenn sa, ebyen ou jis sou kont bon Diye, ni lò la kayo, ni lò nan la ri, ni lò nan l'eglize. Ebyen lòt nouvèl tris ki gen rapò avèk lan mò ansyen minis komès ak industria Jocelyn Colimon Fetia li menm ki mouri madi 27 avril 2021 an Republik Dominikèn a l'aj de 73 an. Ebyen madame Fetia li menm li te ansyen minis komès ak industri sou administrasyon René Garcia Prival defen, elle était directrice Promo Bank à une certaine époque, et bien elle était tout membre fondateur Action Micro Entreprise ACME, c'est-à-dire madame Fetia lui-même dans affaires ça relé économie ou bien l'autre bagaille li passé en pile étape dans pays son monde qui travaille en pile dans la cour pays d'Haïti et nous souhaiter famille Axami, madame Jocelyne Colimon Fetier, bon courage, condoléances. Eh bien, c'est sous notre ça tout, nous mettons en bout avec série d'informations. Merci à vous-même qui t'avez prêté nous attention et fidélité. Nous casser rendez-vous très prochainement pour une autre série d'informations vraiment intéressantes. Et nous invitons vous-même qui pourquoi abonner à la chaîne là, faites ça kounya là. Comme ça, ou pas perdre même yon yota nan série information n'ap gen pou pote pou encore.